que tout le monde, c'est Frank Le Guen pour une nouvelle vidéo. Alors, je reviens cette fois après 10 jours d'absence. Alors là, en raison des cours surtout, c'est pour cette simple raison. Alors, donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une review et on va ouvrir le thème des vieux sets Lego. Donc voilà, alors vous êtes beaucoup à demander à être d'accord que j'ouvre ce thème. Voilà, vous êtes beaucoup satisfait de l'ouverture. Alors donc voilà, je vais vous présenter ce camion pompier. Je vais dire un peu en quelle année il est sorti. Il a eu plusieurs complications, donc voilà. Enfin, c'est pas compliqué, mais voilà, je vais vous expliquer tout ça. Alors ce camion Lego City est sorti en 2005. Bon, après je peux pas vous dire exactement, mais ce qui est sûr, il est sorti en 2005. Et ensuite, il y a eu plusieurs rééditions. Il y a eu une réédition en 2007, je crois, et en 2010. Donc voilà. Bon, ensuite, la dernière édition, c'était en 2010, ce qui est sûr. Alors voilà, c'est un camion qui a été beaucoup vendu, je pense. Il y en a beaucoup qui doivent l'avoir, ce camion. Alors moi, je crois que j'ai eu un prix 19 euros, avec patate d'euros. Donc voilà. Alors, on va commencer par les personnages. Alors, les personnages. Alors, nous avons deux pompiers, hein. Logique. C'est typique des premiers sets Lego City. Hein. Ils sont pas du tout pareils qu'on a maintenant. Vous comparez avec les vôtres. Là, ils ont un gilet avec des tubes fluorescents, qui est plutôt pas mal. Ensuite, celui de gauche. Celui de gauche, il a des gants, on dirait, contrairement à celui de droite. Et lui, il a un casque argenté, c'est-à-dire que c'est un chef. Et lui, c'est l'équipier, voilà. C'est derrière, rien à signaler. C'est tout noir. Donc voilà pour les personnages. Maintenant, on va passer au véhicule, parce qu'il y en a plusieurs. Et on va commencer par le camion, qui est juste en haut. Donc voilà, l'arbre que je vous présenterai tout à l'heure. On sera jamais de côté. Alors donc voilà le camion, qui est plutôt simple l'avant on va dire, mais très détaillé et pas très haut. Voilà, pour comparer une figurine, ça arrive ici. Donc voilà, c'est pas très haut. Alors, ils n'ont pas trop respecté l'échelle. Enfin, remarque, des fois ils font des petits camions pompiers, alors on va dire c'est correct au niveau de l'échelle. Alors voilà, ici nous avons la cabine. Là, il y a arrangement, je vous montrais tout à l'heure, avec une hache. Et ici, il y a la partie échelle mécanique. Voilà, avec une ouverture ici et un extincteur. D'ailleurs, nous avons un crochet d'attelage. Hop, et rien de spécial à part des gyrophares et l'échelle. Ici, nous avons le tuyau d'arrosage avec une lance. Enfin, c'est tuyau d'incendie plutôt, ouais, avec une lance. Voilà, et donc voilà. Alors, du coup, on va passer par la cabine, mais ça va être vite fait. Parce qu'il n'y a rien de spécial là-dedans. Voilà. Attendez, je vais monter. Il y a juste un siège et un volant. Il n'y a pas de porte. Voilà, je vais mettre un personnage dedans. Un passage, bon, je vais pas le montrer, hein. Ça va faire quand même. Hop, voilà. Ensuite, je vais vous présenter par ce côté ici. Voilà, il y a une sorte de placard qui s'ouvre comme ceci. Et dedans, il y a quoi? Ouais, des accessoires. Donc voilà, alors c'est des accessoires. De comment ça s'appelle déjà? Voilà pour. Comment ça s'appelle? Voilà, c'est un appareil respiratoire, c'est ça. Peut-être quand tu sens dans les fumées. Et je vais vous mettre sur un personnage. Voilà, vous enlevez le casque, la tête. Hop, c'est très simple. Vous mettez la bouteille. Vous mettez la tête. Ensuite, vous mettez ça. Et le casque dessus. Donc voilà, c'était un tuto très rapide.
Donc voilà pour ce petit roman. Ensuite ici, il y a le cal. Ah, pas avant de vous montrer ça. En fait, il n'y a rien de spécial là-dedans, c'est juste pour attacher la remorque. Je vous montrais tout à l'heure. Voilà, et ici il y a les cales. Alors voilà. En fait, ce qui est bien, c'est quand vous faites rouler le camion, bon, au moins elle part pas de tous les côtés l'échelle. Du coup, ça bloque l'échelle. Alors, c'est ça qui est bien. Donc voilà, et maintenant qu'on descendait, vous pouvez remarquer que l'échelle pivote. Voilà, c'est bien ça. Ensuite, je vous présente l'échelle, comment elle fonctionne. Voilà, vous avez le camion ici. Ouais, vous pouvez pas se mettre vertical, pas tout à fait. Attendez, on voit pas tout. Voilà. Là, vous voyez le haut du camion en fait. Ensuite, vous pouvez la monter. Jusqu'à comme ça. Ouais, ce qui est plutôt haut. Donc voilà, ensuite elle peut pivoter à 180 degrés. Voilà, environ. Donc voilà, ça peut être tout pour l'échelle. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, ici, comme vous avez pas remarqué, il y a un truc jaune là, qui permet de tenir l'échelle en fait. Regardez là, là elle est presque tout en bas, mais pas tout à fait. C'est quand elle monte progressivement. La langue jaune en fait elle vient se coincer derrière ça et du coup là voilà un bon système simple mais simple justement et solide hein, très solide j'ai jamais eu à remettre ça voilà très bon système donc voilà pour l'échelle bon, du coup je vais tout remettre comme avant ah si ah oui j'ai oublié il y a une nacelle là est très bien, j'adore, j'aime bien cette nacelle-là. Attendez. Ouais, j'aime bien cette nacelle-là. Voilà, et vous pouvez mettre un personnage. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, par exemple, attendez, je vais vous montrer. Attends, je vais vous présenter la lance qui est juste là. La lance incendie. Voilà. Là, ça fait individuel. Et ce qui est bien, vous pouvez la mettre jusqu'au niveau de l'échelle. Jusqu'au niveau du pompier. Donc voilà, qui est plutôt pas mal là. Faire comme ceci. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce camion. À part là, vous avez un Takiwaki. Vous pouvez décrocher. Bien évidemment. Donc voilà pour le camion. Bon, si vous voulez, je vous plie devant, je vous plie l'échelle. Je vais vous montrer la peau. Voilà. Et voilà, c'est plié. Et on met les cales. Donc voilà pour le camion. Maintenant, on va passer à la remorque. Attendez, désolé pour ces petits boutons. Donc voilà. Donc voilà la remorque. Voilà qui s'attache à la camion. Je vais vous montrer juste maintenant. Voilà comme ceci. Si là je vous montrais la petite cale en fait, à quoi elle sert, vous la mettez ici. Du coup ça permet de maintenir la remorque au niveau. Voilà. Tout simplement. Alors dans cette remorque, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il n'y a rien. Ils ont fait juste ça pour décorer en fait.
Ouais, des petits placards qui s'ouvrent. Derrière, il y a les feux. Si j'ai les trucs pour accrocher le bateau. Voilà. Et là, vous avez le bateau de sauvetage. Qui est un truc important du set. Voilà. Je vais vous présenter ce bateau. Il y a un moteur derrière. Il y a un siège pour mettre un seul personnage dans ce bateau. Et là, il y a un gilet. Voilà, plutôt beau. Stylé comme gilet. Voilà. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette review. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que le thème aussi vous plaira. Je vais faire ça pendant quelques temps. Pendant un mois ou deux, j'y arrive. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter. Donc voilà. C'est qu'est-ce que j'ai à rajouter d'autre. Bah pour les prochaines vidéos, je pense que j'en ferai dans la semaine, hein, bien sûr. Je ferai peut-être jeudi, vendredi, dans le week-end. Voilà. Je souhaite d'en faire 3 cette semaine. Donc voilà. C'est à peu près tout, hein. On va, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, comme j'ai déjà dit. Allez, salut!